retour dans Mort Passant Dans Vif, deuxième partie de l'émission. Merci à tous d'être avec nous et on va parler d'un événement qui s'est passé ce week-end entre le Japon et la Corée. En effet, Shinobism a regroupé un grand nombre de joueurs et, eh bien, on va dire les joueurs coréens en ont profité pour faire de même. Et du coup, chacun de leur côté, 15 joueurs en Corée, 15 joueurs, pardonnez-moi, au Japon, se sont affrontés les uns contre les autres dans un immense match online qui a été orchestré du coup par Momochi et commenté par Momochi et Papa Tiwawa. Vous entendez probablement actuellement derrière. Et on se retrouve du coup à la moitié de ce défi de la France contre le Japon, de la Corée contre le Japon. La Corée s'est fait assez mouvementé jusqu'à ce que Ponko arrive et rétablisse un petit but by 3 des familles pour se retrouver face à D44 Bass, le champion incontesté de CVS2, hein, vous le connaissez, ex-membre d'E-Live, hein, d'ailleurs ex-manager de la team E-Live, un joueur qu'on retrouve quasiment tout le temps d'ailleurs au Stunfest. Il est complètement là et qui a un Ekali ma foi assez taffé. Ponko, il joue toujours Camille et il est toujours aussi agressif avec ce perso, là où Bass aime bien se faufiler avec des bons gros pieds inspirés d'Aitani, dont il a le secret. Allez, un bas moyen pied, voilà. Faut jamais rien laisser traîner, moi, je vous le dis. Jamais rien. Rien. Ouais, c'est le compte de Shinobis contre le compte de Spirit Zero, donc imaginez... Imaginez un endroit avec 14 joueurs au Japon, un endroit avec 15 joueurs pardon, au Japon, un endroit avec 15 joueurs en Corée. Et les deux eh bien, s'affrontent dans un match online et via un webcam Skype ou chat roulette, j'en sais rien. Il y a, on peut tous les voir, voilà, c'est merveilleux la technologie. Enfin, un stream qui a demandé, je pense, environ 50€ de moyens et qui peut, tu vois, se faire. Donc c'est vraiment online, c'est possible de faire des trucs assez cool. Oh, qu'est-ce que ça fait mal un stand gros pied crochet counter de Nekali. Il aurait pu dragonner, il l'a pas fait, mais la déchoppe est là, hein. N'empêche Bass contre Ponko. Oh là ouais, petite chimie qu'il a oublié de confirmer, mais elle était là. Le décalage était très bon. Encore une fois, option select de déchoppe avec le soir arrière petit pied. C'est un peu pressé. Rate son confirme de bas moyen point, sachant qu'il avait encore à faire quelque chose derrière ça. Mais voilà, stand light punch, activation des triggers et sanctification. Et... 0 de vital, cela dit, va essayer de glisser une petite jambe. Oh, même pas. Il glissera même pas une petite jambe. Le voilà, Bass. Le voilà, Bass. Il lève le poing en l'air. Et il permet donc au Japon de mener 10 à 7 dans ce 15 versus 15. Il est face à 200 won, joueur de Hormika. Et il va pas lâcher le steak. Il est super, super agressif. Oh là, il n'y a pas la garde. Il n'y a tellement pas la garde sur la chop-spé. Oh là là, c'était un petit pied Mitty. Hey, 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 hey. Encore enlevé, c'était un petit pied, c'était un petit pied, pas petit pied. Ah, il y a un V-reversal. D'accord, V-reversal qui s'est faufilé. Alors, est-ce que là, on va totalement s'inverser? Son gros pied, c'est un gros point, coup de cul. Avec l'avant medium kick, bas petit point et le stand moyen point. Bon, il a essayé de se rapprocher avec un ex-cuni, mais malheureusement, c'est chopé. Rabas, il fait mal, hein, mine de rien. C'est un tournoi qui date de ce week-end. C'est passé samedi. Tout simplement. Un petit Lyon versus Paris. Peut-être vous aurez ça à la Coupe de France, hein, je pense. Hein. Je pense que vous aurez ça. Ouais, alors, ce qui aurait été bien dans ce 15 versus 15, c'est que tous les joueurs jouent un perso différent. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Mais peut-être un jour, ceci sera organisé. On note aussi, alors là, je vous ai tout découpé moi-même pour, en préparant ce Mort Passant Dans Vif, mais normalement, il y a une attente quasiment aussi longue entre les matchs que la durée du match lui-même. Ce qui est assez chiant, je dois bien vous avouer. Vraiment, c'est chiant. Très bon excuse entière, ma petit pied et mes chops spéciales. Dans le bon sens, oui, c'est dans le bon sens qu'il vient se retrouver. Toujours un saut gros pied, ça passe en pleine garde. Il essaie de décaler, mais la garde est plutôt solide. On n'a pas trop de raison de lâcher la garde, même s'il prend une chop. Il aura toujours plus de vie que Bass. Et fait vraiment ouvrir la garde salement. Bah gros point. Ouais. Est-ce qu'il a... Il met dragon. D'accord, il conserve la super pour tuer. Et Stand Medium Kick, voilà. Stand Medium Kick casse la question des triggers. Mais le V-Trigger est un burst. Exactement comme MGX Reflect. Ah, il s'en fout. Oh, il s'en fout. Est-ce que ça tue ça? Oh.
Oh là 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 là, mais ce beat by 2 de basse. Ce beat by 2. Ce beat by 2. Bah les 15 versus 15 avec perso random, on fera ça quand on sera... On fera ça quand on la sera... La KQ Top Noël, on avait fait exactement. Quoi? Exactement. On fera ça. On fera ça à la R4 Cup c'était sur 8, des 8. Jeux. C'était un 6... Ouais, 6 versus 6, je crois, ou 7 versus 7. Okay. Peut-être 8. Je sais même pas combien on avait réussi à réunir. C'était quoi, il y a un an et demi? Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, un an, 3 mois, quoi. Ouais. Un petit temps, 3 mois. NL, ils jouent tous Camille en Corée. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'ils ont avec le perso. Elle doit ressembler à une coréenne, un peu petite, un peu fine, là, comme ça, et blonde. Totalement la coréenne de base, quoi. Et ils jouent tous Camille. Je sais pas ce qu'ils ont avec ce personnage-là, mais ils sont motivés. La voilà, base, ça a déjà ouvert la Camille de Ponkao en deux. Maintenant, est-ce que. Eh bien, il va réussir ici. En tout cas, ses activations des triggers sont toujours extrêmement pertinentes. Infiltration, il a fait le tournoi ou quoi? Infiltration, non, il me semble pas. Il me semble pas qu'il est dans l'équipe. Non, il me semble pas qu'il est dans l'équipe. C'est une bonne question. Je crois qu'on le verra pas. Non. Ouais. Décalage bas petit pied, bas petit point, et là, ouais, il fait dragon super. Et d'ailleurs, la non-présence, infiltration, je sais pas s'il est pas aux États-Unis d'ailleurs en ce moment. Pour taffer. Il y avait une rumeur comme quoi Infiltration allait quitter la Corée hein, pour s'installer sur le continent américain. Je sais pas exactement où. Bah, ça irait avec sa volonté de faire de plus en plus de streams bilingues, etc. Hein. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, Infiltration, il est un peu lazy en ce moment. Donc, il taffe ses phases dans son coin et il va revenir au plus fort de lui-même, je pense, comme toujours. Il va revenir dans... D'ici le premier tournoi du Capcom Pro Tour Premium. Il était présent, mais il n'a pas joué, dit-on, sur le chat. D'accord. Très bien. Question bizarre, mais bon, pourquoi pas. Allez, shop spécial là-dessus, bien sûr. Après le saut gros pied entier, shop spécial une deuxième fois. Une troisième fois. Non. Bagdash, il aurait peut-être dû le touiller un peu plus. Oh là 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 là, mais cet overhead crush counter, c'est tellement bon. Tellement bon. Tellement bon. Ah, il est. Il a bien décalé ici. Par contre, il n'a pas eu le temps de récupérer sa charge pour mettre le disque derrière ce stand medium kick bas moyen point. Ah, Seismo s'est passé en pleine garde. Seismo s'est évité. Et là, NL, il cherche tout simplement à se décaler pour amener Bass dans le coin. Ça, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Il est obligé de perdre un peu d'espace. Oh, c'est dommage, par contre, d'avoir bouffé Seismo. Il n'y a pas la garde en plus derrière. Il y a un excellent confirme de la part de Bass. Mais Bass, il est chaud. Oh, par contre, ça, c'est une erreur. Il a raté le bas petit point derrière sa descente du pied. Et du coup, eh bien, le ex-disque passe totalement dans la garde. Elle va inverser la position après un gros combo. Voilà, place et chop. Là, maintenant, il y a possibilité de V-Trigger. Non, il menace le V-Trigger. Et c'est la chop finalement qu'il utilisait. Ah, très bon stand, gros pied entier. Tu vois, strike qui est la dernière utilisation peut-être de son V-Trigger. Est-ce qu'elle va être tentée strike? Oui, le strike V-Trigger est là. Ce qui permet de passer sous le saut. Et qui a permis à la base de sortir. Oh là là, de quoi que toucher. Elle a touché avec quoi? 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 Mais avec quoi elle a touché? Tu veux que je retourne en arrière? Bah, je crois que c'est bas petit pied. Hein. Et ça va tout baiser la VOD, je pense, si tu retournes en arrière. Mais non, t'inquiète. Bah, essaye un tout petit peu alors. Un tout petit peu en arrière. Juste un tout petit peu avant. Voilà, un peu avant. Un tout petit peu avant. Ah, vas-y, stop. Ah, c'est bas MK, d'accord, c'est bas MK. C'est bas moyen pied, c'est bas moyen pied, d'accord. Merci Polo. Ah, c'est bas moyen pied. Cette distance-là, mettre dragon en plus. Ah merde, hein. C'est moi qui ai tout baisé. Tu vois, je t'avais dit que ça allait tout baiser. Non, mais moi, j'ai tout baisé. C'est pas l'inventi, c'est moi. Je t'avais dit que ça allait tout baiser. C'est bon, on est bon. Allez, c'est Eita, je crois, pour la Team Japan qui va du coup... Ah non, c'est Yamaguchi, pardon. Shinobis Yamaguchi, alors, hein, des élèves de Momochi. Il y a beaucoup hein, des mecs du shinobisme hein, qui sont arrivés ici. Hein. Ils sont pas mal. Johnny hein, est un élève de Momochi aussi. Hein. Yamaguchi aussi élève de Momochi. Oh là là, élève de Momochi qui se fait écarteler sur ce premier round. Stand petit pied, stand petit point, décalage, gros point. J'ouvre ça, ça c'est safe. Et derrière, on pif. Pour passer en full screen, s'il te plaît, Polo. Oh, c'est tellement beau. Petit coup safe avec un pif, histoire de safeiser le safe.
Voilà, histoire de piffer dans la safe-itude. Et là, quand tu débutes, t'es pas prêt à ça. T'es complètement pas prêt à ça. Ouais, bah, gros point, très bon, confirme là-dessus. Dommage, TNMP. Bah, moyen pied raté à cette distance-là. Il a pris énormément de dégâts, du coup, en punition sur ce gros raté. Avec Ami, un peu de vie. Ouais, ça aussi, c'est pas safe. La punition avec Dragon plutôt que peut-être Tatsumaki. Essaye de finir avec l'imbloquable de Mr. MV. Mais l'overhead whiff. Enfin, de Stanley Kick pour remplacer Shop. Ah, il est en train de le décaler. Attention, Dragon. Il n'y a pas moyen. Pied qui a quand même bien décalé comme il faut pour punir le saut ici de Yamaguchi qui. Oh ça passe. Non, d'accord. Ok, il a raté le Dragon. Ouais. C'est bien la preuve à quel point c'était dur ce qu'il avait fait le dernier coup. Hein. C'est vraiment très très dur. Hein. Là, dans sa manipulation, le Dragon n'est pas sorti. Mais il l'avait. Hein. Il l'avait. Le décalage était complètement là. Et là maintenant il se fait mettre au coin. Oh, sorti en cross-up, il n'y a pas de gros combo derrière. Il a même tapé counter hit. Et par contre ça, le run stop derrière le bas moyen point entière. Je ne sais pas si ça va terminer en haut ou en bas. Et ça c'est assez compliqué en tout cas de voir, de se rendre compte. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça se cherche vraiment au milieu de l'écran. C'est ça les foot 6 de Street, de Street 5. Hein. Les foot 6 de très très près. Donc c'est des trucs qui font peur. Hein. T'es vraiment à chaque fois dans la zone de confort de l'adversaire. Et il faut taper pour espérer faire ça. Et bien voilà le jeune Yamaguchi. Il donne un point supplémentaire à l'équipe du Japon. Et il va se retrouver contre Ace Kim. Il joue Nash. Ça me dit quand même quelque chose, S8 Kim là. Aussi sur Street 4, il me semble que c'était un gros joueur de Street 4 coréen. Il n'avait pas une Viper ou une Blanquette. Ça me rappelle quelque chose comme ça. Ça sent la Viper ou la Blanquette, je sais pas pourquoi. J'ai cette impression là, j'ai ce sentiment. Ouais, bonne chop de la part. Ah non, par contre, le saut arrière moyen point. Pour éviter le mukubinisme de Shop et qui termine par une punition. Oui, il est pas très très propre hein, ce site. Hein. Oh, l'overhead est ultra risqué. Oh, il va retaper derrière son ex Sonic Boom. Attention à hein, ce coréen, il joue son Vatu là. On a un peu rien à battre, j'ai l'impression. Extrêmement agressif dans sa façon de jouer. Je rappelle qu'il ne reste plus que 3 joueurs dans l'équipe coréenne. Entre 6. 7 même dans l'équipe japonaise. Il va falloir sérieusement rééquilibrer tout ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir, malheureusement. Oh, saut Tatsumaki, c'est un peu télescopé. C'est un peu tweeté. Non, c'est pas Esserin, je crois. Pas lui. Il me semble pas. Non, je comprends pas avec Esserin. Non, je comprends pas avec Esserin. Ça me dit quelque chose. Oui, c'est un des élèves de Momochi, Yamaguchi. Ice Kimo, on te dit. Ice Kimo, voilà. D'accord. Ice Kimo? Ah, Ice Kimo, voilà, merci. Exactement. Parfait. Ouais, désolé, j'ai pas l'accent coréen, moi. Parfait. Merci beaucoup, Hildaren. Ouais, Shop Wifé. Il a raté le whiff punish, malheureusement. Il réessaye encore avec cette moyen point. Très bon, un dragon dans le bon sens. Mais il laisse s'enfuir le joueur coréen. Et surtout, bah... Il va pas chercher forcément des passes de fuite. Voilà, c'est le truc en fait avec Nash. Quand tu joues Nash, non seulement tu prends de la fuite, mais tu reviens sur l'adversaire parce qu'il a vraiment des attaques qui vont vers l'avant et un excellent backdash. Donc backdash poke, backdash sight. Et si tu essayes de te rapprocher de lui pour justement réduire la distance dont tu as besoin pour pouvoir attaquer, voilà, tu prends un sight et la super qui peut venir juste derrière. D'accord, là c'est vraiment pour reprendre le contrôle du centre qu'il a utilisé son V-trigger. Rien d'autre. Et finalement, voilà. Finalement, c'est ça qu'il cherchait. Une ouverture de garde pour passer. Ah oui, il est là, infiltration, vous avez raison. Il est là avec sa capuche, il est là. Il est complètement là. John Takeuchi, c'est parti, le pistache Rachid. Notez, une jeune génération, Yamaguchi, c'est un jeune. John Takeuchi, c'est un jeune aussi. C'est des jeunes, nouveaux joueurs japonais sur Street Fighter V et je trouve que le Japon réussit ou commence réellement à réussir à passer le flambeau à une autre génération de joueurs. On le voit sur Street Fighter V. On a encore du mal chez nous à voir une nouvelle génération de joueurs
jouer au jeu. On verra si Yakan sera changé pour cette saison 2, mais où sont les jeunes? Où sont les jeunes en Europe? On voit que le Japon a beaucoup travaillé justement pour... Ils sont sur Overwatch. C'est ça. Comme Valmaster. C'est vrai, c'est vrai. Mais au Japon, les joueurs ont beaucoup travaillé pour transmettre aux jeunes. On voit John Katakuchi. Non, c'est ça, et puis c'est, pas ça. C'est une culture différente aussi. Hein. Ils ont encore des salles d'arcade et tout là-bas. Hein. Bah ouais, mais sans Street 5 dedans, donc c'est justement pour ça. Oui, mais tu, si tu joues à Street 4, tu joues à Street 5. Enfin, tu vas suivre souvent. Oui, oui, c'est bon. Ça, c'est sûr qu'ils ont... Ils ont ça dans le sang, les jeux de maintenant, combat. En Europe, t'as plus Street 4 de vendu, bah plus personne joue à Street 4 dans les nouveaux. Quoi. Y a et voilà quoi. J'en préfère jouer à FIFA et à Call of. Après, on me cite ici Crimson, Akainu. C'est des joueurs de la génération Street 4, hein, ça. Oui, mais même c'est si des joueurs jeunes. Qui tâtaient déjà le Versus Fighting avant. Ils sont jeunes. Ils sont passés sur Street 5 parce que c'était le nouveau Street. Mais après, je te parle d'un John Takeuchi qui a 18 ans, tu vois. Comme on avait Mevin Kusanagi qui avait 11-12 ans, tu vois, à l'époque, à sortie Street 4. Tu vois. Les joueurs là. Oh, maintenant, faut attendre le bébé de tonton ou le tien. Faut avoir des jeunes joueurs. Ouais. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, il a pris dans la garde ce Sonic Boom. Il a vraiment. Il a pas envie d'attaquer Takeuchi. Il a de l'avance. Du coup, il va juste le zoner pour essayer de l'agacer. Ça, ça marche très bien contre les jeunes joueurs qui sont peut-être un peu trop impatients. Tu les fais tourner. Tu fais tourner le chrono. Et ils vont essayer de commettre des erreurs. Tu vas aller tomber dans le V-Trigger. Ah, il peut quand même strike. En juggle là-dessus, Stanley Punch pour éviter le décalage. Attention à pas prendre un vieux crush counter perdu. Ouais, il s'appuie sur l'exo-sonic boom pour sortir du coin et là il a pris un sonic boom counter. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire ici, John Takeuchi, mais il perd un round un peu bêtement. La Corée qui est saucée. Complètement saucée. Absolument et totalement saucée. Mais là, ça suffit pas. Ça suffit juste pas. Il est pressé comme il faut par John Takeuchi. Mais voilà, ce Coréen, il arrive toujours à se sortir du coin. Il arrive toujours à venir taper. Et là, tu vois, John, il a pas trop de solutions. Il vient utiliser deux barres du EX pour faire Sonic Boom. Ouais, d'accord. Il fait wall jump, medium kick devant. Une espèce de devant-devant qui a fonctionné quand même. Notez le Whirlpool entière. La question du V-Trigger et le Spin Mixer EX, avec malheureusement un EX Strike passera pas en combo derrière le EX Spin Mixer. Mais remet gros point entier. Ah, ça c'est dur à faire. Ah, ça c'est dur à faire ce combo là. Ah, ça dépend de la hauteur, ça dépend du timing, ça dépend de tout. C'est tellement bien joué là, Takeuchi. Allez, il n'a plus qu'une petite ouverture de garde et c'est terminé. Rate l'entier ici. Attention à ne pas prendre une vieille super qui traîne. Oh là 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 là. Oh, il a failli la bouffer ici. Attention à ne pas prendre une vieille super qui traîne. Dégueulasse. Un truc sale. Un truc qui pourrait arriver. Un truc qu'on attend tellement. Oh, il met la garde. Il bourre la garde. Mais le moment où tu vas appuyer sur un bouton. Oh, je sais pas pourquoi je le sens encore comme une. Non, oh, il a pris cette medium punch. Mais c'est sur un moonsault qu'il fait. Et pas ça. Il n'y a plus la super. Maintenant, il n'y a plus la super. Mais il est en train de rattraper son retard juste en grattage. Ah, il l'a eu à l'usure. Ah, il l'a eu à l'usure. À l'usure. Et bien voilà, bah, ce joueur coréen qui va du coup remporter ce match, Eskim. Lui au moins il gagne avec Nash, pas comme Bonchan. Ah ouais, j'avoue. Bah, après Bonchan il est pas loin à chaque fois et il est encore dans la Topanga League, donc déjà il fait mieux qu'Umehara Daigo. Takeuchi, ouais, d'habitude solide, mais là c'est dur. Je dois bien vous avouer que c'est quand même très très difficile. Voilà, par contre là il se retrouve face à Aitani. Yudi Aitani, quand même un énorme client. On voit les dégâts qu'on fait basse. Aitani, hein, 6 victoires, 0 défaite à la Topanga League, je vous rappelle, hein, qui est vraiment aujourd'hui la référence en matière de Nekali. Gamer B aussi, hein, très très fort. Absolument très très fort. Proche, loin. Il attend le bon moment pour venir attaquer. Non, Seismo, c'est bien dans le vent. Et là, c'est un gros pied, encore une fois, qu'il essaie de toucher. C'est sa stratégie principale à Aitani. Hein. Réussir à mettre des gros pieds. Patate qui démolisse l'adversaire sur un crush counter. Il lui faut qu'une seule ouverture de garde pour que ça fasse extrêmement mal. Beaucoup de dégâts. Bien joué avec ce site en entière.
Voilà, maintenant il est en mode full défense, Eskim. Non, le full défense a pas suffi, mais à cette distance-là, il pouvait mettre que 10. Attention, follow-up derrière ça. Et il a déchopé. Il a eu la bonne réponse, ce joueur coréen, mais ça suffira pas. La réponse était quand même là. La réponse était quand même là. Dur. Très dur. Oh là là, le hexagon, la distance à laquelle il l'a touché. Voilà, balayette, crush counter aussi. Donc, crush counter balayette, vous ne pouvez pas vous relever instantanément. Donc, c'est l'occasion de pousser le cadavre. Et on voit la machine à Itani qui se met en marche. Regardez ce petit stand, petit pied afin de casser toute forme de poke. Il y a Shop derrière. Oh, il va lui mettre perfect. Hey, 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 hey. Voilà. Oh, il déconne tellement zéro à Itani. Hein. Ah, c'est pas du genre à, c'est pas du genre à enfiler des perleurs. C'est sale. Franchement, c'est sale. Et voici donc le Japon. À présent, 11 à 14. Et c'est au tour de l'avant-dernier joueur. Je sens les vrais versos. Et oui, Zizi, le joueur coréen de Birdie, qui est resté sur Birdie. Hein. Vous avez sensation hein, avec Birdie, Zizi. Qui... C'est un peu le Norman Genius coréen. Quoi. Ah, c'est complètement ça. T'as tout compris. Hein. C'est le Norman Genius coréen. Il est là, il est là, Zizi. Et gros birdie, hein. Birdie qui est pff, voilà. Perso qui a bien du mal hein, en cette saison 2. Mais totalement présent quand même sur le plan du charisme et des dégâts. Et cela dit, hein, malheureusement, toujours aussi limité. Oh, la marche qu'il a en V-Trigger, il est tellement violent. On a vu le retard qu'il a à l'énergie. Oh, c'était un gros pied, crush counter. Bah, gros point, boule charge. Qu'est-ce qu'il remet sur la relevée? Oh, boule charge, il extend pas les steaks. Attention, attention, stun. Oh, oh, la Corée est saucée. Regardez comment ils sont guaqués au Japon. Ah, mais Zizi, quoi. Ah, Zizi. Ah, c'est tellement un main en puissance. Ah oh, mais ce décalage ex boule charge en mode balistique, c'est tellement là, tellement là. C'est ça, tu te relèves, c'est moi qui piffe, c'est guac.fr hein, comme phase, hein. Complètement guac.fr. Très bon saut gros pied, bon, par contre là il carotte tous les boule charges. Attention à l'activation de V-Trigger, eh bah gros point, encore une fois c'est boule charge champ, petite canette, il s'en fout, il projette. V-Reversal, t'as vu, cassé par la canette qui venait d'arriver. Attention, il a beaucoup de dégâts blancs là, énormément de dégâts blancs, le joueur coréen. Il va essayer de retourner pif ou pas pif. Oh, le back gros point, il a whiff finish à une tête distance. L'option c'est le boule charge, il est pas mal. Et là, Itani, il se fait tellement maltraiter. Regardez les dégâts, moyen point pas confirmé. Il a quasiment sa super. Il est encore en V-Trigger, il essaye de temporiser. Mais voilà, t'as V-Reversal, il n'utilisera pas le V-Trigger et il va bouffer super. Hey, ah, il est dégoûté à Itani. Comme quoi, c'est toujours le gentil qui gagne à la fin. Il est dégoûté. Ah, il l'a déraillé. Et oui, le gentil, le vrai. Le vrai, le vrai. Le perso en short. Les vrais gentils ouais, sont pas là. En short, là. Complètement là. Allez, Alienware, Nemo face à Zizi. On est à 11. À 13 actuellement au niveau du score ou 11 à 14 ou 12 à 14 donc. Et on a le c'est vraiment l'avant-dernier joueur hein, Zizi et derrière il y a comment une des meilleures Camille coréennes j'ai oublié le nom d'accord ok il fait V-skill, il a immédiatement plongeon X qui est là bon, bah gros point il a tenté entière mais regardez la distance ça touche hein. Ouais il peut re-juggler hein. Fait très très mal et en plus t'as vraiment vraiment encore beaucoup de V-trigger hein. Franchement Birdie oh là là le pif ex tellement ça m'a oh là, ça va jouer boule canette boule canette boule canette là il met le reflect mais la canette passe sous le reflect canette better than reflect canette encore faut canetter canetter canette toi canette winter clash oh cette canette oh là 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 ouais. C'est vrai que le boule charge et EX est très très fort de Birdie, mais le X crush de... Ah, il en rigole, Nemo. Le X crush de Urien, ça déconne zéro. Hein. Ah, Canette, et t'as vu, il utilise son headbutt du coup pour absorber et taper. Donc l'absorption lui donne du V-Trigger et le coup lui donne aussi du V-Trigger.
qui est très très fort avec du coup le V-skill de Urien, tu vois, encore une fois là. Et il a déjà V-trigger quasiment chargé, alors qu'il n'a pas perdu la moitié de son énergie. Et ça, c'est très 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 fort. Et deux ex-Nidrop. Nidrop encore, il a pris EX, boule charge, il s'en bat les steaks, Zizi. Il balance tellement la max, voilà, canette confirmée par boule charge. Il en met un à distance safe, attention au Magis Reflect, il va prendre mix-up. Non, crush et super val gratté, ah c'est malin. Ah c'est malin, c'est malin, c'est malin, c'est malin. Ah c'est Nemo après, tu vois. Il a déjà gagné, il est déjà en train de tweeter, je l'ai bourré, Zizi. Tiens d'ailleurs, pourquoi Nemo il est passé sur Urien et pas sur... sur un truc qui ressemble plus à Rolento avec plus de zoning, etc. Top tier, là, vraiment, ouais. Ouais, là, il a vraiment visé le top tier. Sur la première saison de Street 4, il a dit, je vois, allez-y, choisissez mon perso et je vais le jouer. Et là, le public avait choisi Fang. D'accord. Il a joué Fang, il a dit, Fang, c'est pas un personnage compétitif, on peut pas le jouer. Donc, il a pris Griff, était le deuxième choix des joueurs. Donc, il a joué une saison Griff. Et là, pour cette deuxième saison, il a dit, ok, bon, maintenant, on est en mode vraiment sérieux. Là, je joue le top tier. Exactement, je joue le top tier. Et du coup, il a pris Urien, sans aucune hésitation. Alors après, Urien a des désavantages, surtout contre Gouki. Il n'est pas forcément très avantagé. Je dis, en matière de footsies, il peut être relativement gêné par la portée de ses coups, finalement. C'est assez bizarre de penser ça, mais ça peut être le cas. J'ai vu personne jouer à Akuma pour le moment. Bah, il y a Tokido et Sakonoko qui ont les deux plus gros Akuma. Mais Tokido est vraiment, vraiment au-dessus, quoi. On sent qu'il y a une expérience avec le perso déjà issu de Street 4. Et là, top tier versus top tier. Voilà, c'est Verloren, le joueur de Camille. Il jouait déjà Camille à Street 4, si je dis pas de bêtises. Qui est donc le dernier striker de la team Koren. Très bon bas petit point, relevé stun moyen point target. Là, il l'a mis dans le coin. Tu vois, le target, il est en train de l'appuyer. T'as deux doigts du stun, Nemo. Il a réussi à s'en sortir. Oh là 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 là, le mi tir raté. Mauvais setup sur un shop arrière. Ex-Rush, on s'en bat les steaks. De toute façon, oh, gros point anti-air. Il est tellement bon. Le Nidrop touche à la bonne hauteur pour pouvoir continuer. Et ça, c'est super malin. C'est juste super, super malin. Le mouvement de Verloren ici. Avec ce backdash qui bait. Rap, instant overhead ici. Le backdash qui bait le crush pour whiff punish bas gros point. C'est génial. Tout simplement génial. Eta est donc le prochain joueur. Du coup, assez lancé. Apparemment, ça se prononce Verloren, comme un F. D'accord. Très bien. Fair play. Ça veut dire perdre en allemand. Ah, Verloren. D'accord. Verloren. Ok, perdre en allemand. C'était croupir. Très bien. Perdre en allemand. Un peu comme Eita, il est en train de perdre en allemand, là. Heureusement qu'il s'est relevé en bon gros pif, Sama des familles. Tatsumaki qui fait embrouille le devant derrière, c'est pas mal. Il y a un bon setup, là. Eita, sur le blocage de Mister MV, il a pris pif direct. J'ai l'impression que c'est les deux mêmes joueurs qui jouent. Petit pied. Et overhead. Il va pas l'avoir, l'animal. Non, il l'aura pas. Bon gros strike, il a dit, dragon, j'ai dragonné. Nanato! Sur Liuken datte bayo! Voilà, Dragon Yex dans le strike. Il a un dragon, hein, de toute façon, depuis le 1, on le sait, hein, Eta. Il a un dragon qui est là, cross-up, medium kick. C'est ouvert. Gros BNB sur cette ouverture de garde sèche. Et là, Verloren qui est maintenant en grosse difficulté. Bon backdash bien carotté par le V-skill. Pas pu poursuivre, ça pif. Et il se décale pour le mettre dans le bon sens. Zorat le combo et t'as repif au milieu des links. Balestek Sama EX. Il en a rien à battre. C'est Quack.fr Eta en fait. Ah bah Eta, t'as pas intérêt à rater tes combos. Hein, parce que lui, il va pas te rater. Hein. Ça pif les EX et ça fait des dragons dans le banc. Ah bah c'est complètement ça. J'ai l'impression de voir tonton jouer. Ah mais c'est complètement ça. Mais c'est complètement ça. Il s'en balestek Eta. C'est à la vie, à la mort. Depuis le 4. Hein. Et là, on lui dit, c'est le ex qu'il faut piffer. Il va piffer le ex. Hein. Il va complètement piffer le ex. Oh, ce ex strike qui touche du bout du pied à la retombée de Eta dans le coin. Là, qui voulait carotter un décalage. Il a réussi à inverser les positions. Par contre, c'est mon coin. Et il s'y remet un peu tout seul. Je trouve un mouvement pas très bon. Ça, c'est extrêmement fort. Ce qui rend Camille full pété. Hein. Le strike EX qui passe au travers des boules. Eta qui repiffe. La base, avec l'appui du Hadoken, l'activation du V-Trigger est safe. Il peut replacer une chope ici. Encore une deuxième. Non, pas moyen Hadoken. S'appuie sur le Shakunets. Mais voilà, il se fait entière. Et le décalage. Et là, il a repiffé. Mais il a raté. Du coup, il a pris le moyen point. Gros point
dans la tête, eh bien, ça s'équilibre. 13 à 14 entre les deux équipes. Et c'est Itabashi Zangief, l'avant-dernier striker japonais. Regardez comment il a inversé la tendance, hein, mine de rien. Entre Zizi et Fairlawn, bien, ils ont complètement inversé. Franchement, Afaponko a fait beaucoup de dégâts. Zizi et Fairlawn, avec ces deux-là, ils sont très très bien. Fairlawn, ça fait le deuxième ou troisième joueur qui vient de se faire d'affilée. Et ce match-up est loin d'être évident. Vraiment loin d'être évident pour Itabashi Zangief. Personnage très très fort, Zangief, le problème. Personnage rapide, mobile, qui ne peut pas punir. Et surtout extrêmement aérien. Eh bien, tu peux pas faire le show. Et là, c'est un match-up assez dégueulasse. Bien qu'Itabashi Zangief traumatise tout le Japon, troisième de sa poule, hein, à la Topanga League. Là, c'est compliqué quand même de venir l'arrêter. Ça joue en foot 6. Allez, avant gros point, il l'a mangé, le headbutt. Le confirme Stan Lucky Lariat juste après. Et là, voilà, Stan Medium Kick, hein, c'est le Street Fighter 4 game. Voilà. Ça y est, c'est Street 4, là. Vous êtes content? Ça y est? Vous êtes content? Voilà, c'est Street 4. Avant-arrière, Stan Medium Kick. Voilà, c'est le match-up à Street 4. Parfait. Voilà, vous voulez au revoir, hein, vous voulez au revoir. Bah voilà. Je mets toujours un petit match de Street 4. Ah, le Lariat, tu sautes pas sur le gros. T'as jamais appris ça? À quelle école es-tu allé? Mon Dieu. Jamais sauter sur le gros. Ah ouais, par contre, il a une science du pif, faire le run. Il est quand même assez là. Hein. V-trigger sur ma gros point. Oh, 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 oh. T'as voulu faire un petit décalage? Mange ta barre. Blah. Bah, petit point. Trop Lariat et sa combotte. Debout, baissé, toutes les distances. C'est la merveille de Zangief saison 2. Elle a relevé, il va arriver reversal. Je pense que le V-trigger aurait pu être utile là. C'est un peu dommage. Il a voulu faire tomber la pression, mais le truc, c'est qu'il y a des X-Strikes. Bon, il va repousser tous les X-Strikes avec des V-reversals. Il en reste encore un. Une barre de X pour faire des dégâts. Oh là 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 là, mais la science du zoning de Itabashi Zangief. Hein. Ça fait la troisième fois qu'il bait ce poke. Et c'est bon. On revient un peu en 2009, j'avoue. Zangief Camille. C'est un peu saut 2009. Ouais. Saut moyen point, il a arrêté ça. Par contre, il va dragonner. Fini, hein. Fini. Et là, il a fait une immense erreur en bourrant 360. Affaire Laurent va l'exterminer. Oh là 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 là. Tu vois, ce jeu, tu fais une erreur et mentalement, t'as pu rien. Eiji, anciennement Eiji, Echo Fox, Momochi, donc le dernier striker, contre dernier striker, on y est. Quel joueur va donc remporter, et quelle équipe va donc remporter ce premier Japon contre Corée de la saison 2? Est-ce que c'est le Japon, est-ce que c'est la Corée? Ça joue au dernier match du dernier perso. Et Infiltration joue pas, hein. Et non, Infiltration joue pas. Et sans Infiltration, mine de rien. Sans Infiltration. Il a pris le combo V-Trigger de Camille ici, Momochi, ce qui permet d'équilibrer la barre de vie. Un tout petit peu plus peut-être de V-Trigger, mais pas encore activable. Malheureusement, on va être bon décalage arrière, gros point dragon. Il est bon, hein, dans le confirme de dragon, faire le run. Eh ben, moyen point, spirale. Momochi qui va devoir piffer et qui ne piffe pas. Ah, qui aurait pu confirmer son petit pied. C'est pas fait, dragon, c'est toujours pas fait. Ah, qu'est-ce qu'il a, Momochi? Il n'arrive pas à sortir du coin, elle est un peu asphyxiée. Faut balancer quelque chose et t'as serait jamais laissé faire. Il y a l'activation du V-Trigger sur scène, gros pied en hit. Là aussi, c'est raté. Là, il n'y a pas de dragon. Momochi! Ah, tu peux pas. Le Hexadoken est vraiment un Hexadoken de panique. Allez, là, sur le stand medium kick, bah, gros point, Tatsumaki, tu tues. Voilà. Ça va, il s'en sort bien, Momochi. Il rigole. Il rigole, oui, il dit oui. Mais il sait très bien que c'est raté. Mais ouais, c'est stylé, les teams contre teams, c'est toujours ultra stylé. Hein. Ah, quand t'as deux pays qui s'affrontent comme ça, toujours violent. Plus là, c'est online, hein, qu'on peut le faire. Japon versus Camille, c'est vraiment ça. Après, ils ont une des meilleures Camille du monde. Hein. Avec Kazunoko, le truc, c'est que Camille joue... Enfin, quand tu joues Camille, tu peux vraiment jouer de style et de façon ultra différente. Et c'est ça qui est vraiment perturbant, tu vois. C'est pas un personnage très 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 monotone. Et c'est malheureusement peut-être pour le Japon ici. Certes, on balle de match. Non, bas petit pied, pas de confirme là-dessus. C'est sorti du coin avec ce cross-up. Dragon, il dragonne pas Momochi. Il balance des gros pieds un peu au pif pour voir si ça touche ou ça touche pas. Et on sait que dans Street Fighter 4, à un moment, eh bien, c'est la meilleure façon de te faire ouvrir la gare de façon sèche. Par un petit jump-in. Il revient au corps à corps avec un X-Burning Kick. C'est devant.
Juste une seule ouverture de garde pour Mochi. Allez, décalage chope. Par contre, il peut pas trop piffer. Voilà, Stanley Kick chope. Encore une fois, le Mukumini. Stanley Kick se relève instantanément. Décalage arrive à moyen pied, mais il arrive trop tard. Il est évité par le saut. Et du coup, c'est lui qui prend la chope. Sachant que le bas moyen pied en hit aurait tout simplement plié la partie. C'était bas moyen pied. Super, c'était terminé. Là, il y avait encore un air Tatsuma qui avait touché. Mais rien derrière. Sur la petit pied, option select de déchop pour éviter le décalage arrière bas moyen pied. Et Mochi qui finalement rien confirme. Il veut terminer par une super. Ça se sent. Mais là, la super, il n'y a pas de setup où il peut passer. Oh, c'est bien joué cette entière sur arrière petit pied. Ça se joue très, 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 très serré. Bas moyen pied garde. Et t'as vu, hein, il est là. Il est en train de buffer Momochi. Il attend. Hein. Il attend vraiment son bas moyen pied super. Il veut tuer comme ça. Il est toujours en retard à l'énergie. Il reste 4 secondes. Il est obligé de rusher. Il a trop attendu le bas moyen pied super. Trop attendu bas moyen pied super. Il y a un Coréen qui ressemble à Mireille Mathieu avec deux bouteilles vides de Coca-Cola dans le public. Ouais. Mais le mec est sous LSD. Hein. C'est pas possible. C'est hein. Sûrement. Ah, et puis du coup, comme il a raté, le mental est totalement dans les chaussettes. Regardez le pauvre Mochi, il a déjà perdu la moitié de sa barre. Alors, est-ce que c'est Mukumini Sparse? Voilà, le pif est gagné. Gros point. Stand-like punch, target combo, Tatsumaki. Stand-like kick. Non, mais pourquoi il fait pas le setup? Il n'y a pas l'okizem. Et du coup, il s'est fait signet par le V-Trigger. En plus, c'est cruel, un V-Trigger inverse sa position, un cross-up ramassé. C'est peut-être terminé. Non, c'est raté. Le spiral dans le vent au lieu de penser par Cannon Spike. Oh, c'est le dernier espoir pour Momochi. Et c'est la Corée qui remporte ce 15 versus 15. Dominé l'intégralité de ce tournoi. À chaque fois dominé, toujours en retard au point. Le Japon est guaqué. Momochi revient au micro avec Papa Tiwawa et il fait Smasen. Je suis désolé. Sumimasen. Mais qu'est-ce que t'as branlé? Il dit Papa Tiwawa. Ah, Sumimasen. Bon, si on se dépêche, on peut faire un petit match de la Topanga. Sumimasen. Alors c'est parti, vas-y. Un petit match de la Topanga, on enchaîne. On enchaîne. Tu veux le 3 ou le 4 voilà, fin. Celui qui est le plus court au niveau du temps. 3. Allez, c'est parti. Le 3, du coup. Ah, mais oui, mais c'est Sakonoko contre Waichi Mochi. Ah, oui, ah, bah, c'est, ah c'est stylé, c'est stylé. C'est stylé. Donc Sakonoko vraiment dans les choux hein, avec Guki. D'ailleurs, si on reprend, éliminé ou pas d'ailleurs, j'ai dit Sakonoko. Non, pas éliminé. Non, quatrième. Quatrième, vraiment assez en retard. Mochi hein, qui passe tout juste, mais qui à chaque fois a eu des matchs extrêmement serrés. Mais l'exemple même à suivre en matière de Dalsim, Sakonoko qui fait largement moins bien que Tokido, hein, quasiment qualifié d'office, en tout cas avec un bon ratio de victoire juste ici. Oui, on enchaîne dans ce sport, passant ton pif. On enchaîne. Oh, bien joué avec Sadoken, il active V-Trigger. Sadoken, il recule et c'est la glissade V-Trigger qui le laisse dans une situation où il va prendre des dégâts blancs. Il est obligé de rester ici. Oh, bonne utilisation du Egg Demon Flip. Oh là, il va le comprimer ici, Waichi Mochi. Tellement d'attaques. Dragon dans la téléportation. Et c'est le dragon qui ramasse. Comme ça. Mochi, hein. Sakonoko qui est plus assidu depuis la Topanga League sur le jeu. Mais malheureusement, son Guki n'est pas encore au point totalement. Après une saison passée sur Ryu pour Tokido, Guki il a un peu ça dans le sang. Même si, je dois bien vous avouer que si Tokido jouait Guki sur Street Fighter 4, c'est aussi parce que c'était le top tier original et qu'il n'a jamais été faible comme perso. Souvenez-vous, hein, d'ailleurs même... Daigo avait pris Guki à un moment, tant le perso avait évolué vers le côté ultime de la force. Par contre, mis dans le coin, ah dommage. C'est top avec l'avant-gros point qui passe de l'autre côté. Il s'est pris un peu dans le jeu des flammes et à prendre une super ramassage. Ah, c'est Instant Air Yoga Flame, mais l'instant, oh là là, il a gardé Instant Overhead. Regardez cette punition. Aïe 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 aïe. Oh, 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 oh. Ah, c'est tellement magnifique. Ah, c'est tellement magnifique. Oh là là. Et quand on parle d'optimisation, c'est de ça qu'on parle. Bait de l'instant overhead qui tue. Derrière Tatsumaki, dragon super. En attendant même pas qu'il retombe au sol pour être sûr de pas rater. Ah, c'est juste super. Ah, il utilise le V-Skill pour presser. Il y a Chop derrière. Oh, il y a Chop encore. Oh, il y a bah, gros point juste derrière. Heureusement qu'il réussit à éviter un peu la mort en poule. Mais là, Mochi, il veut rendre la pression, mais ça marche pas, tu vois. Le V-Reversal est là pour
lui casser les pieds. Alors si les reversals sont un peu lents, visiblement ça y est, le V-Trigger rentre un peu. Ouais, le contre de Gookie qui permet d'aller attaquer. Mais regardez les dégâts blancs qu'a pris Gookie ici. Donc il a essayé de le chercher avec un light. Mais seulement, force est de constater que Sakonoko là sur ce match, il a un coup d'avance à chaque fois. Il anticipe le fait que Mochi va essayer de le taper sur ses faiblesses pour attaquer en haut. Et les overheads, il se fait pas avoir par les overheads de Dalsim, ni par les lows. Un gros point low hein, quand même. Hein. On va faire attention. Et il casse le Sten, gros point, avec des bains moyens pieds. C'est la deuxième fois dans ce round. Pour prendre encore le point. Oh, c'est violent. Ah, il rigole pas trop. Hein. Agouki Daigo, ça a donné la découverte des premiers combos Ultra 2 sur Street Fighter 4. C'est Daigo qui a réussi à maîtriser en premier les raccourcis Ultra 2 de Gookie et l'amener réellement en technologie de tournoi. Donc a fait en sorte de faire le fameux bas moyen pied, cancel téléport, cancel Ultra 2. Et ça fasse combo. Bas 5, ouais, bas 5, tout à fait. Ouais. So, Hadoken encore en belle utilisation de pressing. Il est obligé de reculer, vu qu'il n'a pas téléporté dans son dos. Hein. Il a un peu trop peur du dragon. Une conservation du V-Trigger qui est certaine. Pour faire le maximum de dégâts. Voilà, il s'est décalé. Par contre, il a pris Yoga Flame dans les airs quand même. Ça, c'est une petite chance de la part de Mochi. Par contre, là, il va pas le rater. Regardez, 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 regardez. Ah, il a pu le téléporter quand même. Mais quel vieux roublard, ce Mochi. Mais oui, il était allé dans les airs, non pas avec une téléportation, mais avec le V-Skill. Il a fait V-Skill, Yoga Fire, Yoga Flame dans les airs. Et ensuite, après, il a eu le temps de téléporter, évidemment. Évidemment. Ah mais quel roublard. C'est vraiment des darons hein, quand même hein. Les mecs qui mettent des mind games dans les mind games hein. C'est beau hein. Ah, attention par contre, la mise au coin a toujours été catastrophique hein. Vous avez vu à quel point il s'appuie Stand Like Kick, Demon Field Shop. La carotte à l'avant gros point. Il a le temps quand même de mettre sa garde. Mais t'as vu, il est pas à portée de coup malheureusement. Voilà pourquoi il utilise la drill avec une feinte de coup pour placer une shop. Pas mal. Et reversal immédiatement juste après mes triggers. Pas bouger. Oh, 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 il est passé en dessous. L'animal. Il a glissé quand même. Oh, puis il confirme de stun light punch. Jab, jab, tatsu. Ça, c'est du Street Cat. Hein. 2-0 pour Sakonoko. Ah, c'est... On a l'impression que c'est un coup, un mouvement génial qui évince un autre mouvement génial. Ah, c'est stylé la Topangali quand même. Alors, elle a encore essayé de carotter son air gros point. Avec Paris follow-up launcher. Le launcher, donc le lanceur. Voilà, celui-ci. Il n'a pas touché. Et Dalsim a aussi peu de vie. Oh, l'arrière gros point dans la téléportation. Hey, 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 hey. 40%. Val de match pour Sakonoko. C'est allé vite. Hein. C'est vraiment allé très très vite. Et là, il possède sa balle de match maintenant. Il n'a plus qu'à attendre la fête du Zizi. La fête du Zizi absolu. Non, il joue prudence là ce coup-ci. Et la balle de match, voilà, il attend ça. Paris et Messenium qui, plutôt que de mettre le launcher, peur que ça passe un peu trop loin. Donc il use le pari comme un bloc, réellement comme un contre. Ensuite, il va contrer Nature. Et que la jambe en gros point pour carotter le bas gros point est très bon. Il reprend Demon Main. Et là, Demon Main Mithy raté. Et c'est la chop de Waichimochi avec une super de chargée. Dommage, trop haut ce drill. Il l'a pris en pleine tête. Il ne peut pas comboter derrière. Et ça devient de plus en plus compliqué pour Mochi. Hein. Il est sous le coup de la super de Sakonoko. Voilà, là ça tue. Voilà, là ça tue. Brrrr. Power Kaiser. Explosion 3-0. Et bah mine de rien, on aura mis un hein, quand même de 3-0 ici notre très cher Sakonoko, voilà, qui est encore passé pour la suite de cette Topanga League. On le retrouvera du coup, alors c'est ce week-end ou ça passe une semaine pour attendre le week-end prochain, je sais plus exactement les dates de la Topanga League. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce week-end, retrouvez donc le Cannes Winter Clash à partir de vendredi, mais samedi à partir de samedi sur la JVTV, voilà, je serai aux côtés de Monsieur Karaté, Ryux, probablement Foster et tous les autres pour voilà, vous commenter les tournois à la fois Guilty, KOF, Street 4, Street 5, Smash
de ce Cannes Winter Clash. Ne le ratez pas. En tout cas, ça va faire un gros événement baston à vous mettre sous la dent tout le week-end. Je vous rappelle quand même les news, si vous n'avez pas été là cette semaine, sortie du DLC des costumes de KOF 14 avec des stages gratuits, quelques previews de Colin et surtout la grosse news, eh bien, c'est l'annonce pour le 27 mars prochain de la E-League. Je ne sais pas si on peut revoir du coup Polo. Ce trailer de. Faut juste que j'aille le rechercher. De ouais. La E-League, d'accord. Parce que voilà, donc la E-League qui est un tournoi gigantesque sur invitation aux États-Unis, hein, qui a organisé un tournoi de CSGO, deux tournois de CSGO absolument énormissime et gavé de pognon, annonce actuellement 16 joueurs invités, 16 joueurs qualifiés et 250 000 dollars de cash prize sur Street Fighter V, ce qui signifie qu'on est sûr et certain que 16 joueurs dans le monde sont d'ores et déjà prévenus et vont d'ores et déjà participer à un tournoi comme la E-League qui sera fermé et qui les obligera à être présents aux États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand est-ce que cela va être organisé ? Est-ce que les meilleurs joueurs du monde sont réunis ? Est-ce que la E-League, après avoir réussi le pari Counter-Strike, va réussir le pari Street Fighter V ? Est-ce que la E-League eh bien, dépassera le Capcom Pro Tour, dépassera l'Evo. Je rappelle, l'Evo, c'est 200 000 spectateurs quand même en cumulé sur le stream et environ 1,5 million sur ESPN à une heure de grande écoute pour ce qui était du Capcom Pro Tour, la Capcom Cup. On était à un peu moins, il me semble, on était aux alentours de 130 000, 120 000 pour les finales et 450 000, je crois, sur ESPN, ce qui était des scores moins élevés malgré la performance et l'histoire américaine, ce qui veut dire encore que l'Evo a mine de rien quelque chose de particulier. Je vous tiendrai au courant, évidemment, si joueurs, je vous tiendrai au courant si eh bien, il y a quelque chose à faire avec ces E-League, parce que si c'est vrai, ça a l'air d'être l'un des plus gros tournois de l'année mondiale, en tout cas, qui va être organisé. Et du coup, bouchons avec le Red Bull Comité. J'espère qu'ils se sont vus, qu'ils se sont accordés, parce que là, Red Bull Comité, E-League et tous ces trucs-là, et Capcom Pro Tour, comment est-ce que tout ça va pouvoir cohabiter sincèrement dans le calendrier des Jeux de Baston 2017 ? Sincèrement, je ne sais pas du tout. Dans quelques instants, vous allez retrouver eh bien, un nouveau caster sur la JVTV. Il était aux côtés des plus grands, Angela White, Hitomi Tanaka, Henry Okita, Jana Michaels. Il a côtoyé les meilleurs. Il revient pour, eh bien, sur la JVTV pour ses meilleurs hard corners. Benzaï, eh bien, fera sa première sur JVTV dans quelques instants. Je vous retrouve quant à moi demain pour Manga Sur à partir de 19h et pour le squat où Trunks veut se prendre pour un top player Rocket League. Donc, on va le laisser faire son truc. Et ensuite, après, on parlera de la Switch. Comme d'habitude, hein, vous savez bien comment ça se passe ici. Je remercie Polo pour avoir réalisé cette émission ici, mon petit Polo. Merci, Herdier. Ça m'a fait plaisir et je vous laisse du coup passer une très, très bonne fin de soirée sur la JVTV. Et n'oubliez pas le Cannes Winter Clash ce week-end. Ciao, bisous.